Au royaume de la 5D, tu seras un esclave. Les dangers de la 5D, de la cinquième dimension. Bonjour, ici Dorian Vallée, je suis auteur et créateur du site Terre Cristalline. Et sur cette chaîne, je vous guide pour passer d'un état de limitation à un état de plein rayonnement. Vous pouvez télécharger gratuitement mon livret Rayonner en toute simplicité, notamment en lien avec les énergies cristallines. Vous avez des liens en dessous de cette vidéo pour le télécharger gratuitement si vous le souhaitez. Aujourd'hui, je vais vous parler de la 5D. C'est un sujet dont j'ai beaucoup parlé par le passé et j'ai fini par ne plus en parler du tout. Parce qu'en fait, c'est libre à de nombreuses interprétations. Et en fait, aujourd'hui, j'ai envie de revenir dessus avec un autre regard et celui de mettre en lumière ce que la plupart des gens ne voient pas. En fait, la 5D, c'est vu d'une façon générale dans le New Age comme une nouvelle Terre, une Terre 5D, un plan sur lequel on va pouvoir tous expérimenter cette vie terrestre de façon beaucoup plus harmonieuse, avec de l'amour, avec l'unité, avec de la co-création, avec des gouvernements, la politique, des systèmes financiers qui soient en harmonie avec le monde, avec la vie. Voilà un peu comment c'est présenté. Donc évidemment, ça donne envie de s'engager dans ce monde-là, de se battre pour ce monde-là, pour faire émerger, donc élever nos vibrations au maximum pour entrer pleinement dans cette Terre 5D, donc qui s'élève à la fois d'une façon individuelle et d'une façon collective. En fait, tout ça ne me parle absolument plus du tout, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond et essentiel qui s'est dévoilé ces dernières années et qui fait beaucoup plus de sens au cœur du vivant, au cœur de l'être, au cœur du divin. Et en fait, dans cet espace-là, il n'y a absolument aucune volonté d'être ailleurs que là où je suis. Parce que cet espace intérieur dans lequel on peut pleinement s'installer est libre de tout temps et de toute éternité, est infiniment vivant, vibrant, et peu importe ce qui se passe à l'extérieur, ça reste dans cet espace-là. Donc en fait, le danger de la 5D, il est dans le fait que la plupart des personnes qui visent, qui veulent faire naître ce monde-là, en fait, sont en train de fuir leur réalité. Elles ne se rendent pas compte que le germe même de la volonté de vivre dans un monde harmonieux, c'est la fuite de toutes leurs blessures, c'est la fuite de ce monde qui est perverti, qui vient toucher des parts de ces personnes, des blessures, des traumas, des mémoires, et en fait elles veulent tellement pas les voir, elles veulent tellement pas les vivre, elles veulent tellement pas les traverser, qu'elles font tout pour le fuir. Et de là naît la volonté de vivre dans un monde 5D. Peut-être que je ferai une vidéo sur la loi d'attraction aussi, qui est exactement la même chose. Les gens focalisent tout le temps sur des trucs qui sont à l'opposé de ce qu'ils ne veulent pas, parce qu'en fait, ils sont incapables de faire face à ça. Donc il y a une fuite permanente. En fait, l'invitation, c'est juste de vous repositionner sur ce qui est profondément important pour vous. Si la Terre 5D était là maintenant, vous seriez en prison, éternellement. Parce que quel est l'avantage de la 3D? C'est que ça nous met en lumière toutes nos zones d'ombre, tout ce qui est touché, tout ce qui a besoin d'amour en soi, tout ce qui est détourné, perverti, désaligné, ça nous est envoyé en pleine face tous les jours. Donc dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas en harmonie, et parfois ça va s'étaler sur des années pour certaines personnes qui ne voient rien, ben ça va durer toute la vie, et puis il y aura d'autres expériences pour leur permettre de voir de façon différente. Et donc la 3D permet cela, permet de vivre la séparation, les émotions intenses, tout ce qui peut être disharmonieux, de façon à ce que on puisse retrouver l'harmonie en soi, traverser ces choses-là. Donc ça se fait au rythme de chacun, ça se fait selon la maturité intérieure, mais c'est précisément l'expérience que nous sommes venus vivre ici. On n'est pas venu vivre l'expérience de la 5D sur ce plan, on est venu vivre l'expérience de la 3D. Peut-être qu'un jour, cette Terre-là sera sur un plan dimensionnel comme la 5D, plus élevé, plus vibrant, plus harmonieux peut-être. Mais il n'y a pas de place pour les êtres qui ne se sont pas retrouvés, qui ne se souviennent pas de ce qu'ils sont de toute éternité. Si on met un ignorant au sens de l'âme en 5D, il est mort en fait. Il ne pourra jamais se souvenir de ce qu'il est. Rien ne viendra lui mettre en lumière ça. Ce sera tellement doux que quand on n'est pas mis face à nos démons, on ne les affronte pas.
Donc la 3D est là pour ça. Et c'est une expérience juste prodigieuse, magnifique. Juste de voir ce qui fait obstacle à notre plus pure expression. À ce que nous sommes de toute éternité. C'est juste prodigieux d'avoir cette opportunité-là. Donc l'invitation, c'est juste de cesser de vouloir quelque chose dans le futur, de penser qu'il y aura un demain meilleur, que penser que toujours il faut aller en quête de quelque chose qui soit plus beau, plus grand, plus en harmonie, alors que tout est là, de tout temps, de toute éternité, ça vous attend, au fond de vous. Ça nous attend, ça tend la main à chaque instant. Et peu importe là où vous en êtes, peu importe la maturité intérieure, le niveau de conscience, peu importe, ça vous tend la main là où vous êtes. Il s'agit juste de se laisser saisir, de se laisser emporter dans ce flux vivant, divin. Donc ne plus aller chercher la 5D. J'ai parlé souvent de conscience 5D, qui est cette conscience, on va dire, ouverte, qui commence à s'éveiller. Et en réalité, juste plus, j'utilise plus ces termes parce que ça porte à confusion. Tous ces termes 5D qui sont de la folie New Age, en fait. Et s'il y a un plan 5D qui émerge et qui devient majoritaire sur cette terre un jour, mais qu'il en soit ainsi, en fait, ça n'a aucune foutue importance. La vie fait l'expérience de différents plans. Tous les plans existent, toutes les dimensions existent, dans tous les mondes, dans tous les univers. Et on a juste à se laisser jouer notre note unique dans la symphonie de l'univers. C'est laisser ce souffle vivant souffler à travers soi. Et c'est tout. Peu importe où on est. C'est exactement notre juste place. On a juste l'humilité, ce devoir d'humilité, de se laisser traverser. Ça ne dépend pas de nous. Et de ne pas aller chercher des choses ailleurs, alors que tout nous est donné ici et maintenant. Absolument tout. Ce mois-ci, donc là on est le 18-19 en fonction de quand je publie la vidéo, il y aura la reconnexion cristalline le 20 novembre, donc elle est également tous les mois si vous arrivez plus tard sur cette vidéo. Ça, c'est vraiment l'opportunité de reconnecter à ce que vous êtes de toute éternité, à cette dimension cristalline, christique, universelle, divine. Laissez tout cela, prendre toute la place, toujours plus, créer cette bascule intérieure qui permet à un moment donné de ne plus avoir son regard, sa conscience tournée vers l'extérieur, mais bien profondément ancrée à l'intérieur de soi. Donc voilà, si vous en avez l'appel, vous êtes libre de rejoindre l'aventure. Je me réjouis en tout cas d'avancer avec vous. Et d'ici là, voilà, prenez le temps de vous poser profondément en vous et juste de sentir ce qui est vraiment profondément essentiel pour vous maintenant. Et je vous souhaite de vivre une magnifique journée. À très vite. Namasté. Thank you.